maté, ce qui a batté la qui bisauté, voilà batouma be batele ma qui contre biso, voilà tanda na bango et tombe ma qui contre. Balina qui kaka si bika biso, na maye balepe, kombo na yona yanga, et mona na soute la sela mokiloyo. Ya mona voke kopango la nzambe, papa, malgré ma projet à ma be, mon mouna sala qui contre binanga, malgré ma projet à ma be, mon mouna sala qui contre faminanga, na la moutina tomba le lona chante malamo, yo bate l'inga pleba oyanga, moto moko nzamba sali volamo, a tomba y mon mouna ye, la mami kopango la nzambe wana, mone ma kopango la ye, mone ma kopango la ye, thank you.
sala siko. Un mususo ye barate, yo soko simi mbongo, et dans la montagne mongo oyo ba kate la yo. Et ne gala jamais montawana. Yo soko nino ke ko loue naku. Baloba yo foka ka studio. Nous baloba yo a chambre salon. Ato sangi si garantie au niveau que des bosses ou des chambres salon mon wale goli moi au moins malade il m'aurait surgir quelque part il y a mon ne va bien dans la limitation mais yo comme des hommes à la biso la livre à Michel 7 le verset 11 Babi, le jour où l'on rebâtira tes murs ces jours là tes limites seront refilées. Alléluia. Babi, mon colo wana ma limite d'ailleurs vous allez refiler la limite tu m'auras ça la libon de l'icolo limite union sur matière qui n'a elle a financièrement elle a la carte à société elle a la famille n'a la limite lorsque Pierre était enchaîné, l'église a prié et il a été libéré. Nous devons avoir une compréhension. Au télé, merci aux amis. Au tambour, les cigares, au tambour, 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 au tamb
Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Et là, on va prendre la Silas, ma salle qui tombe là, qui n'a qu'à sa boulot, qui va y aller, qui peut ma salle de la Kinshambe. Alléluia. Yahweh, Nabi, Kamwa. Nous avons le droit, il y a quoi ça y est, assez, c'est assez. Si vous continuez dans la famille, il y a un mot qui là. Pour le bacolo, homme fort, il y a quatre libots. Quand on est Goliath à Kouyaka, il n'y a pas Kouyaka à Tongwane. Quand on est Goliath, mon tour est Katana qui n'a pas pour Kata, mon tour est à Tongwane. Quand on est à Tongwane, on est à Tongwane.
Kichisangu yanayo koloe awachoko bele la kombo na yo la kisabiso kembo pemaka sina yo zambe na uya kichisai Kichisangu yanayo koloe awachoko bele la kombo na yo la kisabiso kembo pe makasi na yo Nzambe na nguya na sopie Na sopi mote mana ha Liboso ya kiti angolu na yo Pwete lobiko nanga eko uta na yo Masia nanga Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour Merci pour ta présence et surtout merci pour ta puissance. Merci pour ce jour qui est le jour de la délivrance. Merci pour ce jour qui est le jour de la victoire. Merci car après ce jour, les choses ne seront plus les mêmes. Merci car tu as décidé de descendre. Merci car tu as écouté les cris de ton peuple. Père, donne-nous cette délivrance. Donne-nous cette victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. Acclame très fort. Acclame très fort pour Jésus. On peut s'asseoir. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Dis à ton voisin, Osa Molongi. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Car Christ a déjà tout vaincu à la croix. Genèse chapitre 4, à partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien,
tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Amen. Amen. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Nous avons commencé une série. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont nouveaux ici. Je vais essayer de récapituler en 2 minutes. Nous allons commencer Bunda Olonga. Dis avec moi Bunda Olonga. Dis-le bien, Bunda Olonga. Nous sommes en combat. Nous sommes en guerre. Mais nous avons l'assurance de la victoire. Alors, nous avons dit que les ayants droit, c'est qui les ayants droit? C'est toute personne qui s'est donné un droit par rapport à une porte ouverte qui est entrée dans ta famille, qui est entrée dans ta tribu. Il s'est donné un droit sur terre et a commencé à agir à ta place, a commencé à imposer quelque chose. Il a imposé un système, il a imposé un malheur, il a imposé des limitations. Et il règne. Alors, nous voulons briser ces pouvoirs-là dans ces bundas de 30 jours de jeûne et prière. Nous voulons qu'il n'ait plus l'emprise sur toi. Alors, nous avons parlé des portes ouvertes. La première porte, nous avons dit la désobéissance. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, ils ont laissé accès au diable. Alors, ils sont sortis du jardin, le lieu où il y avait l'humanité, et ils sont devenus facilement, ils ne sont plus des intouchables. C'est comme ça que vous allez voir Bande qui va manipuler Batou, parce qu'ils ont reçu un droit par rapport à une porte ouverte. La deuxième des choses, nous avons aussi parlé des lieux. Les personnes, lieux, nous avons dit, Josué 1, là où, Dieu a dit à Josué, là où foulera la plante de tes pieds, c'est dans la possession. Mais il a délimité les lieux. Il a dit que tu iras du Liban jusqu'aux Étiens, il n'a pas dit partout. Et nous avons aussi évoqué qu'il y a des personnes qui sont des lieux autour de nous qui amènent des portes et endroits. Tantôt ils sont à la maison, tantôt ils sont nos amis, même dans nos familles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mystère du sang. Dis avec moi mystère du sang. Mystère du sang. Mystère du sang. La vérité est têtue, mais Satan a coquille jamais. Et j'ai bien dit jamais qu'au traumatiser, qu'au tourmenter, soit le kinamakilate. Il a besoin du sang pour agir. C'est pour cela, la Bible dit dans Apocalypse 12, Jésus, le sang de l'agneau, a donné la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et Jésus le savait. Il ne pouvait pas nous sauver s'il n'avait pas versé le sang. Amen. C'est une question de sang. C'est pour cela au monde, pourquoi batoyo basala komabe au monde za banoko ba papa ba yaya ba leki, parce que ils doivent avoir un lien de connexion pour t'atteindre. S'il n'y a pas de lien de connexion, ils vont pas t'atteindre. Yango eza pasi mutu o aibioté au sala epelo côté aya ko atteindre, il faut aller cap par quelqu'un qui a et partage les mêmes sang avec toi. Et ma prière aujourd'hui, tu vas te déconnecter de ces sangs-là au nom de Jésus. Amen. Les choses doivent changer. Il y a des choses qu'il faut refuser aujourd'hui. Et j'avais demandé à chaque personne hier, il y avait qui n'était pas là, d'amener une bouteille d'eau. On va prendre ça comme symbole de sang. Si vous n'avez pas amené, ne vous inquiétez pas, nous avons prévu cela. On va prier pour nos familles. On va prier pour nos familles. Et c'est très important de prier pour eux parce qu'ils ont des liens de sang avec nous. Si nous prions pour nous-mêmes et nous ne prions pas pour eux, ceux qui va meli makila esuté, ils deviendront des portes d'accès. Et il faut refuser les portes d'accès. Nous ne prions pas seulement Dieu pour que nous ayons au ciel. Si c'était le cas, le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu allais tomber évanoui au piqué crise cardiaque, au koufi, au kelola.
Mais tant que tu es sur terre, tu dois aussi régner. Amen. Et ton règne se retrouve dans ta capacité à détruire les pouvoirs du ayant droit. Lorsque nous avons lu dans Ruth, avant de racheter Ruth, Boaz a demandé, toi un tel, tu as droit de rachat. Il y avait une personne avant Boaz qui avait droit de rachat. Le problème avec nous, comme Caïn a tué son frère, le sang a été versé sur la terre. Il a donné accès au diable sur la terre. C'est pour cela, Dieu dit, la voix du sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Makila ezana maloba. Amen. Yangozo mona mutu atazana yote awa. Akoza na kasumbalesa za musika. Mais à se concentrer deux minutes à lobby sur Makila. Abi mona bandi ko bela. O comprendre pas aux ali fièvre mature. Ba mona hôpital, beaucoup de gens sont morts comme ça par ignorance. Et la Bible dit dans Osée 4, mon peuple périt faute de connaissance. Et vous devez connaître la vérité. Et bien dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut oyeba bo solo pour bo solo et libéré. Et ma prière aujourd'hui, tu seras libéré. Amen. Tu seras libéré. Amen. Il y a des choses qu'il faut refuser, bien-aimé. Caïn a tué son frère. Et le diable a toujours besoin des portes. Il a tué son frère parce que Satan est entré en Caïn. Il a tué. Et lorsqu'il a tué son frère, on ne parle pas d'un cousin, on parle de frères, même père, même mère. Il a tué son frère. Et le sang a crié. Aujourd'hui, tu vas parler sur le sang. L'ayant droit règne parce qu'il a trop parlé et tu te tues. La parole de Dieu dit, au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Ma benayo eke. C'est ça le problème. Tu ne parles pas. Les choses t'arrivent, tu te plains. Au lieu de parler et de répliquer, tu te plains. Ozolela. Quand il a changé et le côté, il faut l'oba. Il faut l'oba. Il faut apprendre à parler. Il y a des choses que tu dois refuser. Un jour, mon père spirituel a raconté une histoire d'un pasteur au Nigeria. Il devait partir en mission. Son collègue lui dit, Aïbissé, ah, Tokutanate. Aïbissé, non, Tokutana. Tant que Aïbissé, que Tokutanate, n'en ait qu'à la tristesse. Il a répliqué, Aïbissé, Tokutana. Bakena, on dit là, parce que l'accident, Dieu se va pouvoir sophier. Et Bakutani. Parce qu'il avait refusé cela. Il avait refusé cela. Il m'a ramassé, Aïbissé, ah, ouais, Maël était, au Kanipo, non. T'es dans un Maël. Tu dois refuser cela. Parce que quand quelqu'un parle, il parle directement sur ton sang et le sang c'est une nature. Et péché maman nature wana. Ah moi nos zoba, yo pour vendiquer bon. Ah yo coûte vraiment mba ni olingao. Eh ba olingangai, réplique. Ne laisse pas là. Dès qu'on parle, tu parles. Parce que lorsqu'il parle, il ne parle pas à toi, il parle à ton sang. La voix du sang a crié jusqu'à. Qu'est-ce qui a alerté Dieu que appelle à Koufi? C'est la voix du sang. C'est la voix du sang. Si vous ne comprenez pas les mystères du sang, vous n'allez jamais régner. Il y a un jour où on a battu, pour avoir force à Mango, que bon, ma bébé, ok, mais la maquilla à Bango. Comme toi, la maquilla. Et ils savent les pouvoirs du sang. Mais nous, les chrétiens, on est distraits. Dis à ton voisin, tika distraction. Tika distraction. Il faut être éveillé. Il faut comprendre les choses de l'esprit. Le monde est spirituel, le monde n'est pas physique. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le monde est spirituel. Tu dois refuser certaines choses. Quand ça t'arrive, tu refuses cela. Les gens ont trop crié sur toi et attends, mouton, au léqué dans ma case physiquement, à crier, à lobby, et ma cambe, comment. Et beaucoup de familles sont détruites comme ça parce que quelqu'un a parlé pendant, depuis 100 ans, et tika le carbe. Quelqu'un a parlé, ça fait 50 ans, et tika le carbe. Il n'y a pas une personne pour contredire cela. C'est pour cela, lorsque Jésus est venu, il a dit, prenez, buvez, ceci est mon sang. Jésus savait que, batou o yonazan abango, bazan nous sauvete. Avant baza la sauver, il faut ba me la makila rangaye.
parce que si ba mela ki makila ba ko ba mela ki makila ya ba ayant droit bazan à pouvoir sur bango. Jésus savait que je pouvais marcher avec eux pendant 3 ans na tei bango na sali ba miracle mais ba bon moté maté la preuve ba wangani il fallait ba mela makila pour ba sa force ba mela makila ya Yesu. Tu ne peux pas avoir la victoire sans le sang de Jésus. Amen. Tu ne peux pas avoir la victoire sans le sang de Jésus. Tu ne peux pas. C'est pour cela que Jésus devait mourir à la croix. Il devait verser le sang. Il y a un processus à suivre. Dieu, c'est un Dieu des principes. Les principes, c'est ça qui est non. Pour nous sauver, il faut makila nangai etanga. Pour makila, Yesu est en ayant droit. Yesu a beau tellement le Saint-Esprit. A où t'es pas pour tout. A où t'es pas moutou, t'es en ayant droit. C'est le seul sang qui n'a pas d'ayant droit. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela, Dieu savait. Tant où Kayan a bomi Adam, avec Makila et Tanguy, ceux qui m'ont en ayant foi, il y a un processus normal. C'est qu'il n'y a pas aux infectés. Il fallait qu'il y ait un amolimo, mon sang tout. Amen. C'était ça. Parce que Jésus, Dieu savait que non, Kayan avait tué son frère. Et quand il a tué son frère, le sang a été versé. Directement, le diable est entré sur la terre. Il a pris plus de pouvoir à Tangi Mokili Mobimba. Alors, il fallait un processus pour nous sauver, nous, qui n'étions pas des juifs. Et ce processus-là devait passer par un sang qui vient du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit, l'onction brise les jougs. L'onction vient du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, le sang qui vient du Saint-Esprit. Ah, Moutaloba, est-ce que mon sang dans la Makila? Azan la Makila. Bon, Makila, c'est où tu as pu? Qui est le Père de Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit qui est entré en Marie et ils ont enfanté Jésus-Christ. Et c'est à cause de ça, le sang de Jésus, qui n'avait pas d'ayant droit, Jésus monta encore pour réclamer. Et il a dit sur la croix, le diable ne peut rien contre moi, car je n'ai rien de lui en moi. Donc le diable ne peut rien faire contre Jésus-Christ. Parce que si on n'y est pas, au passionné, Makila, non, qu'on a zaté, mouto a zaté, Marie c'est une mère porteuse. Et c'est ce sang-là que tu vas voir aujourd'hui. Amen. Amen. Tu dois comprendre ce qu'on fait. Eza kindokite, mais eza processus yanzambe. Amen. On ne peut pas vous délivrer, sortir de quelque part, si on ne vous vide pas du sang tribal et on met le sang de Jésus. Et ma prière aujourd'hui, que le sang de la tribu Ebima. Ebima. Amen. Il faut refuser cela. Refuser cela. Nous allons boire le sang de Jésus-Christ. Ces messages, je vais continuer ça dimanche. On aura un programme spécial dimanche à 16h30. Ne manque pas. Je vais continuer à enseigner ça. Mais je vais compris. J'aimerais compris aujourd'hui. C'est juste une introduction. J'aimerais compris. Tu vas prier pour 3 choses. La première des choses, tu vas dire à Jésus-Christ, désinfecte-moi. Les lots, ben si le coronavirus est là, moutignons sont désinfectants. Là, vous obéissez. Moutignons sont tous les coups de questions. Vous êtes là, sans poser des questions. Monsieur, je vais vous dire, mais là, je vais vous dire, hé, il y a des bandits. Bah, arabe, bah, prophète. C'est dans la Bible. Dis avec moi, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Nous allons lire un dernier passage. Parce qu'on va dire que c'est moi qui ai inventé ça. Ouvrez vos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Est-ce que tout le monde a une Bible ici? Même au téléphone, j'espère que vous avez une Bible. Si vous n'avez pas une Bible, à la fin, demandez, on va vous donner une Bible. On va vous offrir une Bible. Matthieu chapitre 26, verset 26. J'aimerais que tu lises ça. Donc, regarde ton voisin s'il a une Bible. Est-ce que tout le monde est là? Matthieu chapitre 26, verset 26. Quelqu'un n'a pas de Bible? Tout le monde a une Bible? Tout le monde peut lire? C'est bon? Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Manger. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce,
il les rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » On s'arrête là. Est-ce que Jésus a dit ceci est comme mon sang? Est-ce qu'il a dit que Oeza symbole? Est-ce qu'il a dit que Oeza vin? Jésus ne t'attend pas. Il est très précis. Il a dit ceci est mon sang. Donc, Batouana, Bamelaki Makila ya Yesu, Bamelaki Vignoté. Et Lelo, Omela Maïté, Omela Makila ya Yesu. Papa Dieu merci. Amen, 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 amen. Le distribuer à tout le monde les bouteilles d'eau, ceux qui n'ont pas. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose pour la rémission du péché. Les éandres entrent par les péchés. Si tu as une bouteille, c'est bon. Si tu n'as pas une bouteille, on va te donner une bouteille. Les éandres entrent quelque part. Il entre par les sangs. Il entre par les sangs. Et si tu ne bois pas les sangs de Jésus-Christ, tu seras toujours esclave du péché et il trouve le péché comme une porte pour entrer. Amen. Et ma prière aujourd'hui, que tu ne sois plus esclave du péché. Que tu ne sois plus esclave du péché. Parce qu'il trouve le péché agréable pour entrer. Il fallait que Caïn tue son frère pour que l'éandre entre. Ce qui a Boma qui était à côté. Amen. Tout le monde a une bouteille d'eau? Celui qui n'a pas lève les mains, on va lui donner. Jésus a fait boire à tout ce monde-là son sang. Ils n'ont pas bu l'eau. Bamela est vitaloté. Bamela qui vinté. Alors moi, je ne suis pas dans les débats. Oh, Bamela vin, Bamela vitaloté. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les contenus. Bato balia akindoki. Bamona alipa. Bamona akindoki te. Mais balia alipa te balia akindoki. Amen. Amen. On va s'élever. On va s'élever. Je vais continuer. On va s'élever. On va s'élever. J'aimerais que tu sois concentré. Que tu sois concentré. Et tu comprennes que aujourd'hui, tu as deux choix. Tu n'as que deux choix. Moïse a dit, après être descendu de la montagne, il a vu les gens commencer à monter des idoles. En réalité, ces personnes-là n'étaient pas des vrais juifs. Des vrais juifs étaient influencés par des ramassis. Les ramassis, ce sont les fanatiques bah, égyptiens ou babimans bah, juifs. Il n'y avait pas que les juifs qui étaient sortis. Bah, égyptiens, bah, sympathisants, bah, Monica, Moïse, ok, après, tout lundi. Et ils ont influencé les gens à avoir un faux Dieu. Quand Moïse est descendu, il a posé une seule question. Quand les Matthieu Makassi, il a dit, vous avez deux choix. Et c'est aujourd'hui, vous avez deux choix. Soit vous choisissez Dieu, ceux qui sont avec Dieu viennent de mon côté, ceux qui ne sont pas restent là-bas. Et ces gens-là pensaient que Moïse blaguait, le feu les a engloutis, Bakoufa vivant sur la terre. Tu as deux choix. Soit au rejoindre Kanzambe, soit Bangloutir yo Tangozo Bimaraka. Il faut faire les bons choix. Je ne suis qu'un messager. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Au moins, j'ai fait ma part dans Ebisio. Tu dois mettre tout ton esprit, la conscience sur le sang de Jésus. Parce que c'est le moment de faire un choix. Diable a ebiko ki mateo. Soko sali choate. Tangozo bima. On va t'engloutir. Fais un choix. De laisser tout ce qui est au ebi qui a ma porte d'entrée. Makambo pri na kutimba nsu ba tra ba singa tika bio kona so sa makambo ebi ke zana bible te tika ngolo e kangama na Yesu Christ so mon pou tika te tu as le choix mais aujourd'hui j'aimerais que quelqu'un fasse un choix. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus,
le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Oh mon ami. Mon ami, le sang de victoire. Oh mon ami. Mon ami, le sang de victoire. Oh le sang m'a lavé. Oh mon ami, le sang m'a lavé. Le sang m'a lavé. Oh mon ami, le sang m'a lavé. Oh mon ami, le sang m'a lavé. Mon ami, le sang m'a lavé. Dieu a dit à Caïn, la voix du sang de ton frère a crié jusqu'à moi. La voix du sang. Tu vas élever ta voix par rapport au sang de Jésus. Tout ce que tu as remarqué dans ta vie, depuis que tu es né, que les ayants droit fait, les choses qui ont été les limitations, les choses qui ont détruit ta vie, tu vas les refuser. Et tout ce que tu veux que le sang de Jésus fasse, tu vas les déclarer. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus, mon aimé Messa, Mandoro Bobo, Léo Zabrada, maman, et c'est que tes bébés. Seigneur, je prie. J'élève ma voix, et maneke, Zotobo Karakata, la Zégué, c'est ma voix. O sota mane me rade zebro zota la kika taka kapate marideske nanama chatolo la pradeke ramama leke brusun tamale zeke taka eza la mama eza nene shanaka ekobobo sobrade anane rakara mama esinta mama zetema eza na mama eza brodo mama eza brodo shaneke setele atsaba brozobo yana mama setele rasete rabate tabala labrade anana ma sete brozoto aya mama rodobo rama mama e santo lo grade rama mama la sabrade rama mama zebe anana shaka karaba baba e santo lo bobo la grade shama mama e zobrodo shama mama e santa la brado shoto lo le prekezata. Je parle sur le sang. Et je veux la victoire. Oh, ma vie a été un échec. Je veux la victoire. Ma vie a été des humiliations. Je veux la victoire. La sabrada, sa mama. Lebe la santé, la mama. La zebrono, chakatela. La baba, zema, mama. Et brade, chakama, la bra. La taka, senta, mare. Et Zoto Brodo sa maman, et la Brodo son ta maman, et Zana maman, et Zabrodo Chakara, Anna maman, et Zobrodo Chakara, Ababa, les Zabrodo Chota maman, et Zabobo, et Zutolo sa maman, et Zama maman, et Zabrodo, je déclare la victoire, la victoire, la victoire. La victoire, la rémission des péchés. Ferme la porte du péché. Ferme la porte du péché. Ratissé. Je refuse de péché. Je refuse de péché. Ma zakaba. Lo soprodo.
La Bible dit dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Tu vas déclarer, deuxième prière que tu vas faire, tu vas déclarer, Seigneur, fais de moi et ma maison par ce sang un témoignage. Prions l'Éternel. Fais de moi un témoignage. Aradaka se bébé. Ramamamamamamamam. Ezabradakataka. La gassete. Fais de ma maison un témoignage. Fais de ma famille un témoignage. Par le sang de victoire. Arabasenta mamamamamam. Ezabrodo. Fais de mon épouse un témoignage. Fais de Pérez un témoignage. Oh robo soprada. Fais de mes parents un témoignage. Fais de mes soeurs un témoignage. Arakasataba. Ezebrodo momo. Mare bébé. Kale meme. Moua. Azakata. La si prodo show mama. Eza mama. Natatola. Natatola. Na komalita toli. Eh, na ven na komalita toli. Na famina na komalita toli. Rebrakasitata. Loso brake sa mama. Rebrakase mama mama. La gasentele. Parazou sakayata. La che meme meme. Rabba mama mama mama. Barra 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 zate. Nakasito robobo. Rama mama mama mama. Ezaka te 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 te. Jama mama mama mama. Ezana mama mama mama. Ezabo do 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 do. Avant de boire le sang, tu vas déclarer une chose. Tu vas déclarer un divorce avec les ayants droit. Tu vas déclarer que les choses qu'ils étaient capables de faire sur toi, même en dormant, même pendant les jours, il suffit qu'ils parlent sur ton sang, ça arrive, que ces choses n'arrivent plus jamais. Amen. Tu vas déclarer que les choses qu'ils ont enfermées pendant longtemps, que Dieu t'avait donné comme promesse, et qu'ils ont enfermé, que ces choses sortent de la prison maintenant. Amen. Prie l'Éternel.